Voilà, et donc j'ai entre les deux, j'ai perdu un B à Lefebvre, donc je tenais à dire que dans la présentation, je n'étais pas le fils, en tout cas autre que spirituel de Michel Lefebvre, même si ça aurait été un grand honneur. Donc si ce n'est le fait d'avoir travaillé ensemble, voilà, on n'a pas de lien filial. Et je devais faire cette présentation avec mon collègue Gaëtan Fabricius, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, et je vais essayer d'être aussi bon tout seul qu'à deux. Voilà, donc Céleste, peut-être que tout le monde ne nous connaît pas aussi bien que ça, en tout cas en France. Donc on est une société qui a été créée en 1986, hein, je vais le revenir un petit peu sur la frise, et notre fonction, hein, c'est de fournir de la donnée, en particulier sur cinq très grands services, hein, que je vais résumer ainsi. Ici, et sur ces cinq services, en fait, il y en a quatre qui sont dédiés à l'océan et à toute question environnementale et océanique. Donc, on fait de l'environnement et du climat, c'est la direction dans laquelle je suis. On fait de la pêche aussi beaucoup, gestion durable, et on travaille sur deux autres secteurs maritimes qui sont essentiels. Dans le civil, on ne travaille pas sur le secteur de la défense, donc tout ce qui est sécurité maritime et tout ce qui est énergie et infrastructure en mer et aussi à terre. Bon, la partie mobilité, j'en parlerai pas aujourd'hui. Donc dans le cadre en fait de ce colloque, voilà, il y avait un peu expliqué qui est Céleste, expliqué l'historique, expliqué ce qu'on fait aussi dans le domaine maritime depuis donc notre création. Donc Céleste a été créée en 1986 par le CNES et l'IFREMER. Donc pour moi, ça veut tout dire, hein, ça veut dire l'IFREMER, l'océan, le CNES, l'espace. Et donc Céleste a été créée pour observer l'océan de l'espace en étant en fonction première, opérateur du système Argos, donc un système de collecte et de localisation qui a été créé avant le GPS et qui était donc le premier système qui permettait de localiser partout à la surface du globe et en particulier des océans, des balises. Donc on a tout de suite été impliqué en fait dans la communauté océanographique pour l'étude des océans, puisque particulièrement les premières balises en mer, avec tout un tas de programmes que les océanographes connaissent bien, fonctionnaient avec le système Argos qui était donc opéré par Céleste pour le compte du CNES. En 92, on se lance dans l'océanographie spatiale. Donc on a été partenaire en fait des premières équipes françaises d'altimétrie, avec à la fois un pied dans la science et un pied dans le monde opérationnel. Voilà, on travaillait déjà à l'époque avec le CHOM, Mercator, le futur Mercator Océan International, et bien sûr nos collègues du CNRS et de Thales, Alien et Space. Alors peut-être que je fais des erreurs sur la terminologie, puisque vous avez pas mal changé de nom. Non, c'est bon, c'est ça. Donc le TAS de l'époque, avec qui on travaillait en partenariat pour déterminer les altimètres qui allaient nous fournir cette précision phénoménale sur les océans. À partir de 2000, on a commencé à se positionner sur d'autres technologies, hein, que je décrirai un petit peu plus dans la suite, experts en imagerie radar, et en particulier, on a été opérateur pour les affaires maritimes françaises d'un service de détection de pêche illégale. Donc vous voyez, une première application concrète dans la zone des TAF, donc des terres australes françaises, autour des Kerguelen. Donc là, on a travaillé avec le ministère de la Mer, avec l'ESA. Je ne peux pas faire tout l'historique de Céleste, mais c'est à partir de là qu'on a commencé à intégrer une nouvelle technologie. En 2010, clairement, on était vraiment bien positionné sur le domaine maritime, puisque à l'époque, on était déjà à peu près plus de 90 océanographes au sein de Céleste, experts en traitement de la mesure et du signal, et on commençait à être vraiment reconnu comme un acteur important du monde maritime à l'échelle internationale. Depuis 2018, en fait, on a voulu aller un peu plus dans la techno de collecte et de localisation, puisque avec l'aide du CNES, hein, on a levé en fait 100 millions d'euros pour créer une nouvelle constellation Kineis, qui sera en fait l'Argos du futur et qui va vous permettre en fait de collecter de la donnée, un peu comme le fait Argos, mais à une échelle beaucoup plus rapide et avec une bien meilleure précision, pour une constellation française qui sera lancée, enfin qui sera opérationnelle en 2023, puisqu'il y a déjà des satellites qui existent. Donc on est très loin effectivement des constellations Starlink, etc., pour faire passer du très gros débit. On sera plutôt vraiment sur l'IoT spatial à transmettre des petits signaux pour pas cher et de façon très efficiente. Donc allons un petit peu plus dans les détails. Voilà, j'ai voulu axer en fait ma présentation plus sur les technologies plutôt que sur les services en tant que tels, parce que les technologies vont nous permettre de comprendre les services. Donc le premier service, la première technologie sur laquelle j'insiste beaucoup, qui est la technologie historique de Céleste, hein. J'ai oublié de le dire, quand Céleste a été créé en 86, il y avait à peu près une vingtaine de personnes. Maintenant, un peu plus de 30 ans plus tard, on est à peu près 900. Donc vous voyez qu'on a dû
énormément augmenté le nombre de technologies que l'on maîtrise pour fournir des services à la communauté maritime, entre autres, et terrestre ensuite. Donc si je reviens sur l'historique d'Arcos, hein, ça a été une coopération franco-américaine au départ, entre le CNES, la NOAA et la NASA. Une technologie en fait satellite qui permettait, donc, comme je le disais tout à l'heure, de collecter de la donnée n'importe où à la surface de la Terre et des océans. 30 ans après, la coopération internationale, elle est toujours formidable, elle marche très très bien, puisqu'il y a d'autres acteurs qui sont rentrés en fait dans la boucle d'Argos, donc qui sont EUMETSAT en Europe, l'AJAXA au Japon et l'ISRO en Inde, donc qui montrent bien l'importance internationale du service. Donc je résume un petit peu ici, là, sur ce slide, tout ce que ça fait. Donc en fait, Argos, mais j'ai perdu la souris, bon, je ne peux pas la faire venir, bon, tant pis. Sur le schéma en bas à gauche, elle est là. Ah, c'est la vraie souris qu'il faut utiliser, d'accord. Donc c'est un système relativement simple, hein. En fait, on met des balises, par exemple, sur une bouée océano. Cette balise transmet de l'information au satellite Argos, et le satellite Argos retransmet l'information à CLS à Toulouse. On la traite, on analyse, on la valide, et nous, on la dispatche dans le monde entier. Il faut voir que depuis les années 70-80, il y a eu énormément de satellites qui ont embarqué des charges utiles Argos, ce qui a permis en fait de multiplier les acquisitions qui ont été faites autour des océans. Donc si je me focalise sur les océans, voilà, là c'est une image, je ne sais plus très bien quelle est la date, qui montre le nombre de données qui peuvent être collectées à la surface des océans. Je ne me concentre que sur la partie océanique scientifique, et donc vous le voyez, ça peut être des bouées sur la glace, des bouées sur les océans, des bouées ballons, avec des grands programmes que les océanographes connaissent, puisqu'il y a le programme Argo, le programme DBCP. Mais il faut savoir aussi qu'Argo s'est utilisé pour le suivi de la faune sauvage, donc les animaux volants, les animaux marins, et vous le verrez, ces petits animaux, eh ben, ils vont nous aider à apporter aussi à leur niveau une connaissance des océans. L'observation des océans, on y consacre de plus en plus de temps à CLS depuis les années 90, puisqu'on traite, tant que faire se peut, le maximum de données d'observation de la Terre. Donc on a beaucoup parlé déjà de satellites altimétriques, même si c'est un peu un cœur de métier à CLS de rendre opérationnel en fait la collecte de données satellites altimétriques, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, ça nous fournit des informations sur la hauteur des océans, mais ça nous fournit aussi des informations sur les courants, sur les vagues, sur la houle. Il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent là-dessus pour donner des caractéristiques des océans. Il faut savoir aussi qu'on travaille sur beaucoup d'autres technos, d'autres satellites, hein, qui permettent d'avoir des informations complémentaires des océans, des informations de surface essentiellement, la température, le phytoplancton, la salinité, et on se rend compte que sur une quarantaine d'années, en fait, les technologies spatiales maintenant arrivent à fournir quasiment toutes les caractéristiques principales des océans en surface, ce qui est formidable puisque le satellite vous donne une vue globale très rapide, instantanée quasiment, de ce qui se passe à la surface des océans. Et donc ces données satellites, hein, je le répète, ne sont pas là pour remplacer les données in situ, mais sont vraiment complémentaires des observations de terrain. Dans le cadre de la modélisation numérique, c'est hyper important d'avoir ces données d'observation de la Terre, puisqu'on les utilise beaucoup dans les modèles numériques, que ce soit en validation, en calibration ou en assimilation de données, et plus particulièrement l'altimétrie. Là, je pense que Mercator le présentera après. On a, puisqu'on parlait justement de l'OSTST, moi je me souviens très bien avoir participé à l'OSTST de 2007, c'était à Hobart en Australie, où il a été montré que l'océanographie opérationnelle nécessitait une altimétrie opérationnelle pour fonctionner du mieux possible. Et donc on a vu, là, par ce qu'a montré Laurent, toute l'importance de l'océanographie opérationnelle pour un ensemble d'applications défense, mais bien sûr aussi civiles. Donc juste une application qui nous concerne particulièrement à CLS, puisqu'on a pas mal de gens qui travaillent sur cette observation par satellite de la montée des océans. Et donc bah, ça, c'est une courbe que vous connaissez et qui est reprise beaucoup par le GIEC ces derniers temps. Donc une montée de 3,5 mm par an depuis 1992, qui est donc le lancement de Topex Posidon, qui est vraiment le satellite opérationnel qui nous a permis au départ de commencer à mesurer cette montée des océans. Mais maintenant, il faut savoir qu'on utilise beaucoup d'autres satellites altimétriques, des Français, des Américains, des Indiens, des Chinois, qui nous permettent, en fusionnant les données, de voir cette courbe. Ce qui est moins connu, en général, c'est cette tendance de montée des océans, mais répartie de façon géographique. Et donc, je dirais malheureusement, pour certains endroits de la Terre, ben, les zones qui sont rouges, en fait, c'est pas 3,5 mm par an, la montée des océans, mais c'est 10 mm par an. Ce qui est énorme. Donc remettez-le sur 20 ans, on est déjà à 20 cm.
Et il y a d'autres zones, effectivement bleues, mais il y en a très très peu, où là, on est quasiment à zéro. Et malheureusement, je dirais, il y a très peu d'endroits sur la Terre où le niveau de l'eau descend, à part dans la mer Caspienne, mais ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, c'est juste l'alimentation en eau douce qui arrive moins bien. Voilà, donc c'était juste une illustration sur l'observation des océans. Autre technologie, comme je le disais, à partir de 2010, on s'y est énormément intéressé à CLS, c'est une technologie satellite radar, dont on a parlé un petit peu plus particulièrement avant, qui s'appelle en fait le radar à ouverture de synthèse en français, qui apporte une information complémentaire. Je ne vais pas parler trop des données optiques, parce qu'en général, tout le monde connaît bien les données optiques. Le problème, c'est que ça ne voit pas très bien de nuit, forcément, et ça ne voit pas très bien à travers les nuages. Par contre, la technologie radar, elle, elle voit de nuit, et elle voit à travers les nuages. Et en plus, offre une haute résolution spatiale. Donc pour tout ce qui est applicatif, opérationnel, le radar, c'est génial. Et entre autres, on l'utilise dans les thématiques maritimes couvertes, donc la détection des navires, la détection des pollutions par hydrocarbures, l'observation de la glace et des icebergs, le vent de surface, les vagues, la houle. Il y a de multiples applications opérationnelles qui découlent de ces technologies radar. Quelques illustrations relativement classiques. Donc ça, c'est une image fournie par l'ESA. C'est la détection en fait de la nappe d'huile. On est au large de la Corogne. Là, c'est l'Espagne. La fuite d'huile du Prestige. Bon, quand on dit fuite d'huile, c'était quand même une immense marée noire. Eh ben, la technologie spatiale radar a permis d'avoir et de dimensionner exactement cette fuite d'huile. Sur cette image-là, on arrive à détecter tout un ensemble de bateaux. Voilà. Et donc, avec des analystes radar, on est capable de déterminer quel type de bateau ça peut être. Une dernière application, claire, c'est la détection de la glace. Donc là, un immense iceberg et des petits growlers que l'on peut voir flotter au milieu des océans. Donc la technologie radar apporte ce type d'information et on peut l'intégrer surtout en opérationnel. Ce qu'on fait de plus en plus, donc j'ai parlé beaucoup du spatial, résumé un peu en 5-10 minutes, on utilise de plus en plus les technologies de drones. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, ça peut pallier à l'alimentation des satellites. Pour ceux qui connaissent les satellites, malheureusement, le satellite, il tourne tout le temps autour de la Terre. Et donc, des fois, il n'y a pas de satellite qui passe à l'endroit que vous voulez, au moment où vous voulez. L'avantage du drone, donc en particulier du drone volant, là, je vous montre une image d'un projet que l'on a avec l'EMSA. Donc, c'est l'agence sécurité maritime européenne qui est basée à Lisbonne, avec qui on travaille. Donc, on met en place des drones qui vont détecter, donc c'est des drones, c'est des avions en fait, sans pilote, qui vont pouvoir faire un peu ce que font les satellites, mais de manière beaucoup plus proche des océans, et donc de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus opérationnelle. Il faut savoir que des drones, maintenant, il y a beaucoup de technologies qui sont mises en place. Donc, je parlais des drones volants. On a de plus en plus les technologies de drones sous-marins. Alors, dans le milieu scientifique, on pense surtout aux gliders, pour ceux qui connaissent, qui sont utilisés. Et il y a de plus en plus aussi de drones de surface. Laurent a montré une image et je vais en montrer une aussi. Donc, les thématiques maritimes couvertes, ce sont essentiellement des thématiques qui vont permettre d'améliorer l'action de l'État en mer avec la pêche, la pollution, tout ce qui est problématique de search and rescue, qui est très important, comme on l'a vu plusieurs fois dans les présentations ce matin. On parle aussi d'immigration et de trafic illicite au niveau des applications. Donc quelques images. Je crois que ça a été présenté tout à l'heure. Je parlais de glider, donc ce sont des technologies sans pilote, mais qui, avec la flottabilité de l'appareil, permettent de plonger en profondeur des océans, d'osciller et de remonter. Et vous leur mettez tous les capteurs que vous voulez, un peu comme on le fait sur les satellites, on met des capteurs de couleur, de hauteur, de température. Sur les gliders, on peut faire la même chose. Et après, il y a aussi des technologies de vaisseaux autonomes de surface, de drones autonomes de surface, qui permettent aussi de mesurer un petit peu tout ce que vous voulez à la surface des océans. Et là, j'ai remis une image d'un drone volant, donc sans pilote, qui permet en fait d'aller mesurer. Alors nous, par exemple, on les utilise, on a mis des capteurs de CO2 et des capteurs de soufre sur ces appareils. Et on va détecter en fait au-dessus des navires quels sont les rejets qu'ils produisent et de mesurer la concentration de ces rejets. Et ça, on peut le faire pour des acteurs privés ou publics si besoin. Une autre technologie qu'on utilise de plus en plus, alors ce n'est pas une technologie, mais c'est plutôt une famille, c'est la science participative. Alors qu'est-ce que c'est la science participative? En fait, c'est utiliser, des gens, ou en tout cas des choses qui n'ont rien demandé, comme des filets de pêche ou des animaux marins, entre autres, sur lesquels on met des balises et qui mesurent tout un tas de paramètres en mer. Donc des paramètres physiques, des paramètres de ressources marines. Et donc c'est ce qu'on appelle des vecteurs d'opportunité. Alors, on peut l'utiliser dans le monde de la pêche. On peut utiliser, par exemple, des filets dérivants.
des bouées de pêcheurs. Voilà, on leur met un capteur dessus, ça part dans les océans, ça mesure, on transmet par satellite, entre autres, et ça nous fournit de la donnée, je dirais, participative. Et ce qui est un petit peu nouveau, que l'on fait de plus en plus, c'est d'utiliser les animaux. Les animaux, c'est génial, ils ne demandent rien à personne, on n'a pas besoin de les payer, et ils nous font plein de mesures dans les océans, en surface, en profondeur. Je sais qu'on travaille par exemple avec des éléphants de mer, ils sont capables de plonger pendant une demi-heure à plus de 600 mètres de fond, et ils nous font des super profils de température, de salinité et de pression. Et pour illustrer ça, là, je veux juste parler d'un programme que certains peut-être connaissent, qui s'appelle Anibos, là, qui fait partie de Gouze, et qui est un programme où on veut en fait utiliser les animaux pour leur mettre des balises sur la tête, sur le dos, etc. Et c'est eux, en fait, qui vont être un peu comme les satellites portent des capteurs de température. Et bien là, c'est les animaux qui vont porter des capteurs de température et fournir une information participative des données des océans. Pour finir, en fait, donc, je vais rejoindre exactement ce que disait Laurent Kerliger, c'est qu'on fait de plus en plus de data science, data science. On en fait à CLS depuis très longtemps avec les données Argos. On se met au goût du jour comme tout le monde. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on a des data scientists qui ont rejoint les équipes, qu'on a des supercalculateurs qui nous permettent de faire ça. Parce qu'effectivement, on a de plus en plus d'imagerie satellite, on a de plus en plus de systèmes d'information géophysique, on commence à avoir des données de la physique, des données de la biologie, on a des données aussi de la pêche, on a des données du trafic maritime, on a tout un tas de données qui nécessitent à la fois de la calibration, de la validation, de la fusion de données. Il y a beaucoup trop de données, enfin il y a beaucoup de données à l'heure actuelle, et pour mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, eh ben, effectivement, on s'intéresse de plus en plus à l'intelligence artificielle, c'est peut-être un peu galvaudé, en tout cas ce qu'on appelle apprentissage profond, pour faire de la fusion de données, comprendre le passé pour mieux prévoir le futur. Voilà. En mettant ça en musique avec un ensemble de services d'accompagnement et du support métier, on est capable de fournir de l'information directement. Je voyais Philippe se redresser, c'était pour dire que j'arrivais aux conclusions. Voilà. Donc juste un slide de conclusion, et après on pourra discuter de tout ça. Donc je parle de CLS, mais c'est un peu de façon générale, hein, c'est l'avenir, je dirais, de l'océanographie, c'est qu'il faut combiner beaucoup d'expertise hein, maintenant pour avoir une compréhension globale de l'environnement marin. Donc vous l'avez vu, hein, on combine de la science, de la physique de l'océan, on combine tout ce qui est shipping, tout ce qui est pêche. J'ai pas trop parlé des énergies offshore, mais on travaille là-dessus, que ça soit les éoliennes, les pieds dans l'eau, ou les éoliennes, le vent qu'il y a à la surface des océans. On fait beaucoup d'environnement et climat, beaucoup de biodiversité. Donc le positionnement de CLS, hein, c'est un pied dans la science, un pied dans l'opérationnel, pour capitaliser en fait le meilleur des technologies spatiales et des technologies numériques. On parle beaucoup de jumeaux numériques de l'océan à l'heure actuelle. C'est pas que marketing, c'est vraiment ça. Hein, c'est, on a énormément de données, il faut savoir les combiner. Et en tout cas, nous, de notre côté, on se positionne à la frontière de la gestion durable des océans. Et comme vous le voyez, là, on participe beaucoup, en tout cas, au développement de nos activités dans tout ce qui est les objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU. Où je le redis, voilà, les technologies spatiales et les technologies in situ qui ne s'opposent pas mais sont complètement complémentaires vont fournir une meilleure connaissance des océans pour accompagner à la fois les pouvoirs publics, à la fois les scientifiques, à la fois les privés. Voilà, on prend tout, on mélange tout et on met ça en musique. Voilà, merci beaucoup.